projet attendu, tant attendu par les Grands Lyonnais, les Grands Lyonnaises. Finalement, la piétonisation, puisqu'on va piétoniser la rue de la République, dans ce projet Pastille à vivre, est une suite logique à la partie qui avait été piétonisée entre Belcourt et Cordonnier il y a tellement longtemps que plus personne ne se souvient comment, finalement, quand ça avait coûté. En tout cas, moi, je n'ai pas de souvenir de cette première partie de la rue de la République non piétonne, dans mes souvenirs lointains. Et donc, nous allons voter au Conseil de la Métropole du 27 mars, proposer au vote le bilan de la concertation et les orientations qui vous sont présentées aujourd'hui. C'est un enjeu essentiel d'abord pour les habitants de la Presqu'île, pour les Grands Lyonnais et les Grands Lyonnaises, qui viennent souvent sur la Presqu'île. Plus de la moitié des habitants de la métropole viennent au moins une fois par mois ici sur la Presqu'île. Donc c'est essentiel pour profiter simplement des lieux culturels, des lieux patrimoniaux, ou bien faire leur course ou se promener simplement. C'est aussi essentiel pour le tourisme. On a plusieurs millions de personnes chaque année qui sont sur la Presqu'île. Et puis naturellement, pour tout le développement économique, on a 45 000 emplois sur la Presqu'île, c'est énorme, donc des gens qui viennent travailler. On a naturellement des commerces. Donc c'est la nécessité de tenir compte de tous ces publics, de tous ces usages dans ce projet Presqu'île à vivre. Il y aura aussi un gros enjeu sur la logistique et les livraisons qui font partie du projet pour qu'on puisse continuer à livrer la Presqu'île. Et puis continuer à travailler sur la mixité, la diversité des acteurs économiques et commerciaux. Alors cette zone à trafic limité qu'on aura entre Quéron et Belcourt, sur une portion assez large, va permettre de favoriser des déplacements à pied, de favoriser les modes doux, vélo également, et de limiter l'accès à la voiture aux personnes qui doivent rentrer dans la zone des riverains, les commerçants, les taxis, les services d'urgence ou ceux qui travaillent sur la Presqu'île. On maintient les accès au parking, naturellement, côté Saône comme côté Rhône, qui permettront, pour ceux qui viendraient en voiture sur la Presqu'île, qui sont une minorité aujourd'hui, de continuer naturellement à pouvoir se garer et accéder à la Presqu'île. Au-delà de cette zone à trafic limité, bien évidemment, il y a un certain nombre d'aménagements qui vont être faits, qui vont être lancés d'ici à 2026. Alors, c'est trois secteurs principalement qui sont concernés. D'abord, le secteur qu'on va appeler bas des bancs, avec dès cet été une partie qui deviendra piétonne entre sur les rues Puy-Gaillot et Sainte-Catherine, avec l'installation de bornes escamotables qui permettront donc de piétoniser les rues, mais qui permettront aux ayants droit, à des ayants droit, de pouvoir accéder à ces rues grâce à un système de badge. Côté rue Romarin et Sainte-Catherine, il y aura une reprise de l'aménagement pour embellir ces deux rues-là. Le dispositif temporaire qui avait été établi sur la route Saint-Sébastien, dont vous vous souvenez de l'installation, va être pérennisé de manière à pouvoir sécuriser davantage la circulation des personnes sur ce tronçon. Merci. Et puis, côté plus à l'ouest, côté Saône, on va embellir, végétaliser de la place Rambaud, sur l'espace place Rambaud et rue de la Martinière, avec une concertation qui a déjà démarré, qui va permettre d'affiner précisément la nature de ces aménagements sur cette portion. Ça, c'est pour le premier secteur, donc bas des pentes. Un deuxième secteur, Cordelier-République, avec d'ailleurs, sur votre gauche, président, quelques illustrations, puisque vous l'avez évoqué. La rue de la République va être, je vais dire comme ça, livrée aux piétons. Avec un aménagement transitoire qui va permettre de voir un certain nombre d'usages se déployer. On l'a préfiguré sur ce visuel, cet aménagement transitoire, il pourrait être d'une nature différente, il pourrait d'ailleurs évoluer aussi dans le temps, avant d'aller au-delà de 2026, vers un aménagement, lui, plus définitif, qu'on a ici
préfigurés, mais qui pourraient être de nature différente en fonction justement des usages qui s'y déploieront. On veut vraiment partir, vraiment des usages qui se déploieront sur cette rue de la République pour en concevoir la mouture définitive. Autre endroit très important qui est derrière moi, la place des Cordeliers, puisque, alors on y reviendra sur la question, monsieur le maire du deuxième, bienvenue. La place des Cordeliers, donc on y reviendra puisqu'on parlera dans un instant transport en commun, vous, président. Mais vous le voyez sur cette illustration, l'idée c'est de faire de cette place Cordeliers un espace totalement apaisé, avec de plus grands espaces pour les piétons, avec le principe d'un parvis entre l'église et le palais de la Bourse, de manière à ce que effectivement les piétons puissent y trouver davantage de confort, mais aussi de sécurité. Cette place des Cordeliers, elle va accueillir une grande desserte de transport en commun qui permettra de mieux connecter les lignes fortes de bus avec, l'arrêt de métro Cordeliers. Et puis, toujours sur ce secteur, la partie Garret, Arbre Sec, Serlin, alors elle est où? Elle est derrière vous, président. Voilà. Ici, vous avez notamment une illustration de la rue Serlin, avec une reprise, une requalification de ces différentes portions, avec, vous le voyez notamment ici sur cette illustration, une végétalisation aussi importante que possible sur les différentes rues. Ça sera sur la même configuration que nous travaillerons sur les rues Arbre Sec et Bas d'Argent, et notamment dans leur partie centrale, c'est-à-dire en dessous de la rue Serlin. Alors, très important d'apaiser, de faire en sorte que ces rues-là soient davantage confortables pour les piétons, parce qu'il y passe énormément de piétons tous les jours. Alors, vous le savez, ça a déjà été malheureusement, on a déjà fait ce constat, c'est une zone qui a pu se montrer par le passé accidentogène. Et puis, vous avez à ma droite, ici, une représentation de la rue de Grenette, donc intégralement dédiée au transport en commun. Et comme vous pouvez le voir, ça permet, en reprenant la rue Grenette, d'élargir les trottoirs de part et d'autre de la rue pour, là, encore une fois, apporter plus de confort aux piétons, puisque c'est bien notre priorité, cher président, de faire en sorte que la presqu'île soit plus confortable et plus sécurisée pour les piétons. Le dernier secteur, j'y viens, c'est le secteur Jacobin-Bellecourt, avec notamment la rue Émile Zola, la rue de l'ancienne préfecture, la rue Jean Fabre, la rue du Port du Temple, qui seront reprises, végétalisées, pour, là encore une fois, faire en sorte que les parcours piétons soit bien plus confortable et sécurisé pour tout le monde. Voilà, donc on va commencer par ces trois secteurs en complément de la zone à trafic limité, pour ancrer la modification et la mise en place de l'apaisement de la presqu'île. Et ceci est une première étape qui pourra être complétée, puisque ce que l'on représente ici, c'est ce qui va être engagé d'ici à 2026. Mais tout ce projet va se compléter, donc on aura par la suite beaucoup de choses encore à vous dire, bien évidemment. Tout ça avec un besoin de répondre à cette forte attente que j'évoquais un peu plus tôt, qui est celle d'une qualité de desserte de transport en commun au moins équivalente à celle que l'on trouve aujourd'hui. Et bien évidemment, en décidant de transformer les différentes rues que j'ai pu citer dans les différents secteurs, on doit retravailler cette desserte de transport en commun. C'est ce dont vous allez nous parler, président, à l'instant. Merci bien. Oui, la question des transports est essentielle. On l'a vu dans cette concertation qui a duré de nombreux mois avec les citoyens, il y avait des inquiétudes légitimes quant à la desserte en transport en commun, au maintien de cette desserte. Et aujourd'hui, avec le travail que nous avons effectué à ces trains de mobilité, on peut affirmer que non seulement il y aura un maintien des dessertes, mais qu'il y aura une amélioration des dessertes de la presqu'île lorsque le nouveau réseau va être mis en place en 2025. Il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a toutes les lignes fortes qui passent au de la République. Je pense notamment au C3 et au C13, qui vont du coup passer rue de Grenette en site propre et continuer sur les quais du Saône, des deux côtés des quais, selon le sens de circulation. C'est le cas donc du C3, du C13, du C14, qui vont nous permettre d'avoir une correspondance toujours très forte au métro A
à Cordeliers, et qui vont nous permettre aussi de fiabiliser ces lignes, d'améliorer leur régularité, puisqu'on avait beaucoup de problèmes, notamment sur la C3 et la C13, au niveau de l'hôtel de ville, dans des petites rues qui n'étaient pas toujours adaptées au transport en commun, avec des véhicules qui pouvaient être garés, et donc retarder toute une ligne par ces passages à l'hôtel de ville. Donc on attend une amélioration de régularité de ces lignes. Et puis, le fait de passer Quetzo, naturellement, éloigne pour les habitants de l'hôtel de ville, notamment de la liaison avec le métro C, qui est importante. Et c'est pourquoi nous allons faire une nouvelle ligne forte qui va passer quai du Rhône, donc de la part du rive gauche, et qui permettra de desservir l'hôtel de ville. C'était une demande forte qui va non seulement permettre de maintenir sa desserte, mais aussi améliorer l'axe C3-C13 qui est très saturé sur le col Lafayette et au-delà. Donc c'est un plus, cette nouvelle ligne qui va arriver. Et puis, on maintient toutes les navettes internes, donc la S1 au cœur de la presqu'île, et puis la S6 et S12 sur les pentes. Dans le secteur Bellecour, le choix qui a été fait est d'avoir deux pôles, un pôle Saône à l'ouest, un pôle Rhône à l'est, qui est déjà le cas une cinquantaine de jours dans l'année quand il y a des manifestations place Bellecour et qui fonctionne plutôt bien. Donc ces séparations vont nous permettre en plus de dégager la rue de la Barre pour la voie lyonnaise numéro 12, il me semble, si je ne me trompe pas de numéro. Et puis, je vous rappelle que notamment au côté Saône, il y a des améliorations prévues avec les corridors bus pour les lignes 40 ou C20 qui vont aussi gagner du tout parcours. Donc, on va continuer naturellement à écouter les habitants, les acteurs, notamment dans le cadre du comité de suivi. Un nouveau d'ailleurs aura lieu dès cet après-midi pour proposer ces solutions et continuer à les travailler, à les améliorer. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une amélioration des transports en commun sous la presqu'île avec des impacts très positifs sur des lignes qui vont, comme vous le savez, par exemple jusqu'à Bourges. Donc voilà pour l'amélioration des transports en commun. Et puis, on va continuer à travailler avec les comités dans les mois qui viennent pour permettre d'expliquer ce projet très important. Il y a à peu près 10 000 voitures jour qui passent sur le Côte Grenette hein, aujourd'hui. Voilà, donc sur 500, vous savez, il y a plus de 700 000, 545 000 déplacements presqu'île par jour, et donc 10 000 qui passent sur le Grenette. Donc le but n'est pas qu'elles soient bloquées au Grenette, c'est qu'une fois qu'elles aient l'information, qu'elles passent soit par les trémies de Perrache, qui sont l'axe principal naturel autour de la presqu'île, soit tunnel de Roy-Rousse, et il y aura toujours la possibilité de passer à Bellecour dans les deux sens, et donc on va supprimer un trafic essentiellement de transit qui passe actuellement au Grenette, et qui permet une nouvelle fois de diminuer le nombre de véhicules qui circulent et la pollution ambiante. Ce qui va être mis en place dès cet été, c'est notamment dans le bas des pentes avec deux bornes escamotables, du coup, depuis Gallio-Rue de Sainte-Catherine, une aire piétonne sur le bas des pentes. Donc là, on va fonctionner en fait comme les aires piétonnes qui existent déjà, hein, par exemple dans le Lieu-Lyon, mais il en existe déjà en presqu'île, avec une liste des endroits, les riverains, les commerçants, les livreurs. Dans le Lieu-Lyon, c'est aussi les taxis, donc ce sera le cas ici, ici aussi. Voilà, voilà pour la liste, on va dire de base, mais effectivement, on n'a pas finalisé aujourd'hui cette liste d'ayant droit à la zone à trafic limité en général. Parce que justement ça fera l'objet de discussions dans le cadre du comité de suivi de définir précisément cette liste d'ayant droit. On peut penser justement à certains métiers du soin ou autres, des artisans par exemple, qui peuvent intervenir, y compris en dehors de livraison qu'on peut fixer. Alors, sur la logistique urbaine, dans la zone à trafic limité, tout comme dans les aires piétonnes, il y aura un accès aux livreurs, aux artisans, hein, comme ça se fait déjà par ailleurs. Pareil, il y a certaines modalités pratiques qu'on peut encore définir. Est-ce qu'on définit des horaires, si oui, quelle page horaire, etc. Mais pour ça, on a un groupe de travail qui, justement, se réunit pour mettre en place les logisticiens. Après, j'ai envie de dire, de base, en fait, les livraisons pourront bien se faire, j'ai envie de dire, comme aujourd'hui, pour les commerçants en particulier, pour les entreprises. Il n'y a pas de changement majeur, on va dire, à ce niveau-là, au niveau de la livraison qui est essentielle. Par ailleurs, on travaille aussi
à des modifications de la transition aussi du secteur logistique. Vous avez vu il y a maintenant presque un an qu'il y a la société ULS qui assure justement des services aussi de livraison depuis le pont Morand et qui dessert notamment énormément la presqu'île. On a aussi d'autres entreprises qui se lancent justement sur des modèles comme ça hybrides, et le groupe de travail qu'on a avec donc tant les commerçants que les artisans que les différents transporteurs et logisticiens qui interviennent sur la métropole, et ben on va pouvoir définir aussi quelles autres solutions on peut apporter, par exemple pour le stationnement des artisans, par exemple pour certains accès pour les livraisons ou la récolte des déchets également. Alors, concernant les trafics vélo équipement sur rail public, c'est un espace qui est quand même très très vaste, hein, qui va du coup être libéré par les transports en commun. Pour réduire les conflits d'usage, parce qu'on est sur une presqu'île qui vraiment va être piétonne, enfin encore plus piétonne qu'elle ne l'est, et l'idée c'est vraiment de conforter, enfin, d'améliorer le confort et la sécurité des piétons. Pour éviter ces conflits d'usage, justement dans l'étude fine, notamment de l'aménagement transitoire, et puis également de l'aménagement pérenne, il faudra voir quelle place on donne au vélo, aux cyclistes, mais quand on voit la dynamique globale, il est essentiel de prévoir ces usages en augmentation pour éviter les conflits d'usage. Voilà, sachant qu'il y a quand même une voie, enfin il y a trois voies lyonnaises en fait qui en fait quadrillent en fait la presqu'île. Hein. On a la VL12 sur la rue de la Barre, la VL6 donc, qui est sur la rive gauche. La rive droite de la presqu'île, la rive droite du Rhône.